Tu vas nous apprendre. Pour une fois, on échange un peu les rôles. Quand vous avez un mètre de bord, c'est possible. Alors l'exercice, c'était de réaliser une structure qui se rapproche le plus possible de la réalité, avec de quoi occuper quand même une soixantaine de personnes. On a fait donc une ferme latine et une forme en ferme. Si tu veux continuer, explique un peu ce que c'était. Non, mais la difficulté, c'est qu'on a eu deux fermes à faire comparé aux autres groupes qui n'en avaient qu'une. La ferme latine, c'est la ferme, on va dire, traditionnelle, si je dis pas de conneries. Ouais, un peu la plus ferme, simple, la première qu'on a à prendre. Ouais, la plus simple. Une ferme très tôt. Ouais, c'est ça. On a fait une ferme très tôt. Une ferme avec deux entrées. Entrée repoussée. Et il y a, voilà. Il y a deux esseliers, en fait. Le principe de la ferme très tôt, c'est qu'on peut la lever en deux fois. Donc d'abord la partie qui ressemble à des très tôt avec les entrées, les esseliers et l'entrée, le deuxième entrée. Et ensuite on peut lever le poinçon avec les contre-fiches et les deux arbres du dessus. Et ben, la ferme qu'on a construite, c'est une ferme qui s'appelle la ferme sur blocher. C'est une ferme pour les, utilisée pour les combles aménageables, parce qu'il n'y a pas de pièces qui traversent les combles. Ferme ciseaux, comme on l'indique, forme de ciseaux. C'est une petite ferme qui utilise des coups de bois, mais des petits bois. Ouais. Des pièces qui sont beaucoup de mi-bois. Qui n'est pas utilisé souvent, je crois aussi. Non. Très rarement. C'est sa complicité, je crois. Ouais. C'est travail, mais le résultat, c'est joli. Vous n'aviez pas vu du tout ces types-là ou... La ferme latine, on la connaissait, oui. On l'a faite une fois. On l'a faite au premier stage, parce que c'est la basique. Ouais, la basique. Et après, les autres, la ferme sur blocher aussi, on en a fait une. Mm-hmm. Et par contre, les autres, c'était du nouveau. J'en avais vu dans des livres et tout ça, mais ouais, on découvrait un petit peu. Du bois. Après mettre 1,5 de chaque côté, ça va tracer les trois, comme ça en long. Mmh. Les couper. Et les mortels, c'est les trous. Ouais. L'objectif, c'était de faire travailler ensemble des étudiants architectes en master 1 avec des apprentis charpentiers en deuxième année d'apprentissage de CAP. Donc en créant des groupes et en partageant du coup une expérience dans les deux sens. Bah c'est marrant parce que du coup on se retrouve avec des gens plus jeunes que nous, mais qui ont un peu plus des débuts de compétences sur des trucs qu'on a du mal à. Des choses qu'on peut avoir un peu de mal à dessiner. Parce que nous, les architectes, on sait beaucoup, mais pas la technique de la charpenture, donc c'est bien. C'est pas la même technique utilisée. Moi du coup ça me fait bizarre vu que je suis apprenti, normalement c'est plutôt moi à qui on dit de faire des choses, alors que là du coup c'est la première fois que j'étais en gros chef de chantier pour faire n'importe quoi, donc une ferme là. Et du coup c'était super cool, moi j'ai beaucoup aimé. C'était pas simple. À chaque fois on fait des regards croisés ou des exercices croisés avec des ingénieurs, des archis, des charpentiers. En fait, ce qui ressort systématiquement, c'est pas tant le projet en lui-même qui a été accompli, c'est surtout la relation qui a été créée en fait entre les corps. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Systématiquement, c'est ça qui ressort à chaque fois qu'on fait du BIM avec des ingénieurs et des charpentiers. Bah, c'est toujours le travail en commun qui prime plus sur le projet en fait. Et ça se ressent finalement sur le projet après. Moi, je me rends compte, ça fait plusieurs fois que je participe à des choses comme ça, à des échelles beaucoup plus petites, mais le résultat est toujours au-delà de ce qu'on pourrait faire en individuel. Bah, c'est hyper satisfaisant de voir ça monter. Voilà, en plus, assez vite, je pensais que lever tout ça prendrait plus de temps. Ouais, on est toujours surpris. Même nous tous, les charpentiers, on est surpris de la rapidité de tout ça. Puis nous, les étudiants en architecture, c'est vrai qu'on travaille énormément avec la maquette. Le dessin, et en maquette et en dessin, on subit moins le vrai poids des matériaux, leurs dimensions, et c'est vrai que c'était intéressant vraiment de se confronter aux contraintes de la gravité, de la réalité, et tout le poids que ça engendre, le contact avec la matière. C'était aussi sur l'échelle 1 sur 1, mais c'était un projet beaucoup plus petit, donc c'était
plutôt des tailles constructives, donc je trouve que c'est très chouette de faire ça, d'avoir le contact avec la réalité du bâtiment. Et nos maquettes, ouais, d'habitude, elles sont petites, elles font ça, là, généralement 60 ou 80 de haut, hauteur de flèche. Pédagogiquement, c'était aussi, pour les étudiants archi, d'un côté, c'était de mettre les mains dans la matière, toucher le bois, en fait, parce qu'il y en a de nombreux qui ne touchent jamais, ou presque, de matériaux de construction. Et donc là, construire en plus des modèles à l'échelle 1, de charpente, 8 mètres par 4, c'est une belle expérience, en fait. Et puis, de l'autre côté, j'imagine, c'était pareil, c'était de se confronter à des archis auxquels ils seront confrontés plus tard dans leur vie future. La plupart des archis que je connais, enfin, j'en connais pas, je les connais pas vraiment, mais ils sont plutôt têtus. Mmh. Et, ceux que j'ai rencontrés là, assez ouverts et très respectueux aussi. Les architectes, des fois, se rendent pas compte du temps qu'on va, bah, déjà du déplacement, ce que ça implique de faire une bricole pendant une demi-journée. Des fois, il faut faire certaines choses avant d'autres. Et eux, ils se rendent pas compte. Des fois, quand on n'est pas sur le chantier, on se rend pas compte. Chaque milieu, enfin, moi, de ce que j'ai pu en voir là, dans mon année d'apprentissage, c'est toujours carré d'un côté, carré de l'autre. Et puis, on ne cherche pas à comprendre. C'est son organisation à soi, son organisation à lui. Et là, ça permet un petit peu d'entremêler les deux. Et puis, de réfléchir un petit peu, bah, avec comment nous on a pensé le truc, mais en même temps, de se mettre à la place de l'autre. Enfin, ouais, mais si lui me dit que ça va pas et qu'il faut y faire comme ça, peut-être qu'il y a plus une raison aussi, quoi. Du coup, de faire vraiment un échange, et du coup, après, pouvoir avoir un vrai débat, plus que moi j'ai raison, parce que moi j'ai raison, quoi. C'était super cool de pouvoir faire tout le tracé ensemble avec les architectes. Et puis après, enfin, que moi, à l'inverse, je peux leur montrer comment tailler, parce qu'il y a quelque chose que j'ai quand même appris en traçant avec eux. Et puis après, ben, il y a quelque chose que je pense qu'ils ont pu apprendre en taillant avec moi. Et puis c'était sympa, cet échange-là, je trouve. On réapprend aussi à communiquer. Ce qui manque aujourd'hui sur les chantiers, c'est de la communication, c'est comment on se parle, est-ce qu'on parle déjà la même langue, et comment est-ce qu'on n'en joue pas aussi de ne pas parler la même langue. Et quand on se retrouve à réaliser une pièce ensemble, là on est obligé de parler le même langage. Et c'est ça qui est intéressant, et on se rend compte qu'il n'y a pas d'écart, en fait. Enfin, il y a un écart qu'on imagine, et le fait de se retrouver face à face avec un morceau de bois et aussi dans la main. Ouais, c'est ça. Et ben, les deux écarts s'équilibrent et on se retrouve tous au même niveau. On a appris beaucoup de vocabulaire aussi, ça c'est cool. Et en fait, on se rend compte aussi que le vrai problème qu'il peut y avoir potentiellement entre les constructeurs et les architectes, c'est le vocabulaire, la communication. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on s'est tous arrangés pour comprendre l'autre avec le bon vocabulaire. Et il y a eu des difficultés, mais c'est vrai que l'entente était là, on peut le dire. Oh non, carrément. On s'est entendu. Sympa, ouais. Je vous ai trouvé tout sympa. Moi, j'appréhendais un petit peu ouais, de me faire prendre de haut et tout, mais vous étiez super. De nous voir arriver en petites chaussures. Ça vous a fait un peu rire. Puis il y avait des filles en plus. Ouais. qui ont scié des trucs. Ouais, à la scie circulaire. Et Mathieu, dans le groupe, il m'a dit la fille, c'est celle qui a coupé le mieux à la scie circulaire. Elle a fait des joues. Moi, j'ai été surpris. On a des images, des stéréotypes. Que moi, on m'a véhiculé aussi, puisque quand je travaillais dans le bâtiment, avec le côté féminin et bâtiment. Et je me suis rendu compte que les personnes les plus volontaires et les plus déterminées, qui avaient le plus envie, c'était les filles. Et on avait deux apprentis charpentiers filles aussi dans le groupe. Ça,
ça prouve que ces images n'ont aucun sens. Et au contraire, moi, c'est ça qui m'a marqué au-delà de la globalité. Mais j'ai aussi, dans ce qui m'a marqué, c'était le rapport qu'il y a eu entre des étudiants architectes qui ont plutôt une éducation, mais une formation libre, avec beaucoup de liberté, beaucoup de facilité, et des apprentis charpentiers qui ont plutôt une formation très dirigée, avec des horaires fixes. Le premier jour, ils sont venus nous voir, ils étaient inquiets, parce que tout le monde était parti fumer des clopes, alors que c'était pas encore l'heure de la pause. Oui, c'est vrai. Et on leur a expliqué que voilà, c'était différent, on était en workshop, on n'était pas en train de suivre des cours. Et du coup, tout le monde a compris, d'un côté, les étudiants ont compris qu'il y avait plus de rigueur dans la démarche professionnelle, et puis les jeunes aussi se sont un peu plus laissés aller. Et c'est ça que je retiens dans cette démarche, et l'investissement des étudiants, ouais, surtout. Franchement, je suis épatée par les architectes parce que moi, quand j'ai commencé à utiliser des machines, je ne le faisais pas comme ça, puis j'avais un peu plus peur. Et notre ferme, elle est pas nickel, mais elle est bien. Elle est bien. Franchement, pour un truc qu'on a fait en deux jours, c'est bien. C'est plutôt efficace. Ouais. Ouais. On a refait quelques pièces parce que des fois il y a des. Les deux contre-fiches. Voilà. Et c'était mort. Parce qu'une fois que tout est monté, les deux dernières à mettre, ça marche plus. Ouais. C'était très agréable. Ils étaient autonomes. On leur a montré une fois et était très. Complémentaire, sur la connaissance du bois et pour le conseil spatial, je crois qu'on était très complémentaire. Ouais. Dans notre école d'architecture, il y a peut-être quelque chose à régler. On devrait peut-être plutôt être en contact comme ça avec la matière. Et puis eux, du coup, nous ont encadrés, donc c'était bien aussi, je pense. Pour une première expérience comme ça, ouais. On est dans un endroit neutre, en fait. On n'est pas chez quelqu'un ou dans un bâtiment de chez l'un ou chez l'autre, en fait. On est au milieu, et puis on fait un truc au milieu, dans un espace immense, qui est assez génial. Là, on a rempli la halle pour la première fois. C'est la première fois que je la voyais aussi remplie. Mais voilà, c'est justement ça qui est génial, c'est qu'on peut, on a un endroit où on peut tous se rencontrer, en fait. Et s'il y avait eu des écoles d'ingénieurs ou des universités ou d'autres professions du bâtiment, on aurait pu le faire tous ici, en fait. C'est ça qui est génial. Non, mais c'est sûr, on va recommencer, on va refaire des trucs comme ça. C'est un peu de travail parce qu'il va falloir trouver des financements, trouver des conditions, les temps communs. Mais c'est évident, il faut faire ça régulièrement. Ah oui, et puis la pédagogie qui est ressortie, c'est un exemple, je pense, pédagogique pour tout ce qu'on fait. Ça devrait être logique et banal de le faire. Ouais, complet. Coco, viens.